Hauteur. C'est une 8 sur 4 déjà. Et action. Donc là, vous faites quoi, là, Félix? On fout le bordel, parce que c'est une série où il y a le bordel, normalement, tu vois. Et donc, voilà, c'est notre job, quoi. D'accord. Donc là, c'est le chef bordéliste, l'assistant bordéliste, et puis... En fait, il nous fait un plan. Et moi, c'est le producteur des bordélistes. Un plan où on place à peu près le bordel, quoi, c'est... Ouais, un peu ici. Moi, j'irais plus comme ça. Ouais. Comme ça. Et si on rajoute un truc là, comme ça? C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, ici, on est une équipe très organisée, quoi, les... Franchement, là... Enfin, bordéliste, assistant bordéliste, quoi, c'est... Moi, assistant chef, assistant. Ouais. Vous allez commencer à m'écouter. Vous allez vous activer, parce que ici, on n'est pas là pour vous oublier. Le film, il s'appelle... Quelle taille tu fais, mec? 1m60. 1m60, j'ai jamais vu un tas de merde aussi haut. Allez, tu vas me bosser, allez, tu récures les chiottes, allez, dépêche-toi. Chef, voilà. Moi, je suis la petite grand-mère en film. Très exigeant. Ah d'accord, c'est le réalisateur. Voilà, c'est le réalisateur, il est très exigeant. Je suis content, ok. Ici, je veux du travail et encore du travail. Parce que les roupillards comme ça, moi je les vire, quoi. Ta gueule. Ouais. Félix nous punit quand on respecte pas ce qu'il demande. Alors voilà, je suis puni. Donc là, t'es en prison, en fait. Voilà. T'es enfermé? C'est la prison du tournage. On a beaucoup de cartons, parce que c'est en même temps la salle au carton qui va passer dans le film. Donc c'est marrant parce que on peut se cacher, on peut... Bon, là, on va quand même entrer, Ouais, vous pouvez quand même rentrer. Voilà, c'est... Beaucoup de l'intrigue du film va être là, c'est la salle au carton. Avec beaucoup de cartons, quoi, évidemment. Évidemment, vous avez du mal à trouver tous les cartons. Quoi, ouais. Ouais. Ah. Pour la petite anecdote, on les a piqués à une vieille sur le marché. D'accord. Voilà. Très bien, merci pour la petite anecdote. Là, vous allez faire quoi, là? Là, je vais... Je sais pas, je vais descendre des escaliers parce que... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est au troisième étage d'une très 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 grande maison. Et donc, très très vieille aussi. Là, on va... T'as eu peur? Mais non, je suis pas tombé. Très vieille maison aussi, voilà. On peut continuer la visite avec la chambre aux poupées, qui je ne sais pas à quoi elle sert. Et il fait pas un peu sombre ici? Bah si, mais voilà. Ça s'allume pas. Non, il n'y a pas de lumière. D'accord. C'est vrai en plus, mais... Voilà, alors avec plein de poupées. Vous verrez dans le film. D'accord, ouais, on va. Tout ça, c'est le site du tournage avec un ascenseur. On a un ascenseur, oui, parce que nous sommes très exigeants. Donc, moi, vous voyez, j'utilise pas les escaliers. Les escaliers, c'est de la merde. Alors, moi, je prends l'ascenseur. Voilà. Donc, on peut venir avec vous dans l'ascenseur? Je sais pas, je l'ai déjà pris plein de fois, hein, c'est pas. Comme si je l'avais jamais pris. Mais si vous voulez venir... Bon, on va d'abord tester son... Allez, bah... Voilà, je prends l'ascenseur. D'accord. Tous les jours, j'aime beaucoup prendre cet ascenseur. Je ne sais pas où il va. Je ne sais pas. Au revoir, à bientôt. Attention, normalement, voilà, il s'est arrêté. Ouvre les yeux. Femme. Vous savez, hein? Ouais. C'est Mais en fait, ce qui est moche dans la vraie vie, c'est beau à l'écran, j'ai compris. Non mais c'est vrai, enfin, ça passe trop bien. Hein.
Alors moi, c'est Tom. C'est le frère de l'héroïne, Eve. Il est devenu un petit peu cinglé par rapport au Pukuji qui hante la maison. Vous savez que contrairement à ce que les gens pensent, les Farfadets ne vivent pas sous les arcs-en-ciel, mais dans de vieux troncs d'arbres creux. Et donc il a un petit peu des problèmes mentaux, quoi. Il est un petit peu perdu dans sa tête parce qu'il lui manque un souvenir. C'est un peu compliqué, vous verrez bien le film. Tu prends bien tes pilules tous les soirs, hein, Tom? Tous les soirs. Ouais, j'ai tourné notre premier film, c'était Eddie et les filles. Ah oui. Petite comédie à l'américaine, quoi, genre American Pie. Notre deuxième, c'était Memory of Hunter. Mais là, j'avais un petit second rôle, quoi, c'était sympa. Après Le Corbeau, quel film magnifique. Enfin, quelle bande-annonce magnifique. Et puis là, c'est La Créature du Grenier. C'est un titre provisoire. Ouais, titre provisoire, ouais. Alors là, je m'embarque totalement dans l'aventure, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je connais pas vraiment le scénar. D'accord. On fait petit à petit, quoi. Ok. Comme il me dit de faire, quoi. Je regarde juste, hein, je fais juste un test. Donc, ça, c'est le réalisateur, le metteur en scène, on va faire un gros zoom sur sa tête. Il s'appelle Félix Jacquet. Il s'appelle Félix Jacquet, on l'appelle Monsieur Jacquet pour les intimes. Voilà. C'est Monsieur Jacquet. On va faire un TGP, un très gros plan. Non, il va filmer quand... On passe pas devant la... Hein, putain, la caméra du making-of, voyons. D'accord. Voilà, et elle met son dos devant. Ouais. Ça y est, on a l'actrice, on a le rôle principal. Non, mais t'inquiète, on photo. Ouais. Tu trouves un appareil, je sais pas où il y en a. Non, mais il y en a un, je crois, par quelque part. J'aurais bien aimé ça. Ça serait vraiment intéressant que tu prennes des photos. Tu me dis quand tu filmes. C'est un mec qui fait la batterie. Je dis rien, là. On a le droit de parler ou pas? Non, tu dis rien. Je fais un gros plan. Hauteur, 7-4 sur 3, 5e. Et... action. Et tu as vraiment visité tous ces pays? Tous. Et les pharaons, l'Égypte, t'as vu? Ça contient des pharaons. Et les Farfadets en Irlande? Ça n'existe pas. Silence. Et action. Oui. T'as besoin de quelque chose? Non, rien, merci. Scène 8 sur 1, deuxième. Et... action.